Moi, je m'appelle Amandine, je suis en terminale générale au lycée Rénac à la Motte Servolex. Je suis venue ici en seconde, c'était pour avoir un petit effectif parce que dans les classes, on est une vingtaine, ça dépend des années, mais c'est petit, du coup, ça me correspondait plus. Et puis, c'était un super beau cadre. Je fais deux spécialités, physique-chimie et biologie-écologie. Biologie-écologie, c'est propre au lycée agricole. Et c'est plus basé sur l'environnement et la nature, comment préserver la biodiversité. Et physique-chimie, c'est les TP comme dans un lycée normal. Je suis deux options. L'option maths complémentaire, c'est pour garder un peu les maths, parce que si on ne fait pas de maths, ce sera plus compliqué pour l'année prochaine. Et l'option AET, c'est agronomie, écologie et territoire. Cette option, elle est basée sur des projets que les élèves mènent. Par exemple, l'année dernière, on a pu faire le projet menu éco-responsable. C'est un projet qui consiste à organiser tout un menu élaboré de manière locale, de saison. Et ça nous fait prendre conscience qu'un projet, on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain, que ça demande beaucoup de préparation et que les repas à la cantine, on ne peut pas les choisir comme ça. Il y a beaucoup d'enjeux à prendre en compte. Cette option, elle se fait beaucoup en extérieur, ce qui est, notre lycée le permet vu qu'on a un très grand parc. Et cette option, on peut la faire aussi bien à l'extérieur. Par exemple, la semaine dernière, on allait visiter un élevage porcin et on a aussi la ferme de Rénac avec les escargots qu'on a pu visiter en seconde. Et grâce à cette option, ça m'a fait... Au début, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et en seconde, en première, en terminale, à force de la faire, je me suis rendu compte que je voulais devenir vétérinaire. Et c'est pourquoi j'ai demandé l'année prochaine à rentrer dans la prépa intégrée vétérinaire, dans le but de devenir vétérinaire rural.